Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on va découvrir un nouveau partenaire ensemble. Donc il s'agit de New Craft Day. New Craft Day. Donc voilà, donc c'est une commande qui a été passée le 16 juillet et que j'ai reçue aujourd'hui le 4 août. Donc c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à venir quand même, mais bon, voilà, il faut être patient. Donc quand il s'agit de petites boutiques chinoises, je trouve qu'elles se sont améliorées au niveau du temps. Donc là, ça n'a pas été le cas, donc peut-être qu'il y a eu un petit souci. Mais ça reste quand même raisonnable. Donc la marque m'a proposé un budget de 20$. Donc j'ai converti, ça nous fait environ 16,93€. Et du coup, j'ai commandé pour 19,94€, donc 16,98€. Alors, donc normalement, on a 4 articles dedans. On va voir ça ensemble. Donc 1, 2, 3 et 4. Écoutez, le contillet. Alors oui, c'est ça, on a 3 toiles et un petit accessoire. Bien écoutez, on va voir comment c'est. Donc je vais découvrir en même temps que vous, parce que du coup je ne connais pas la marque. C'est la première fois que je commande chez eux, que je vais voir leur site. Donc ça va nous permettre de découvrir ça ensemble. Alors, vous voyez, c'est toujours dans des petits pochons comme ceci. Alors par contre, c'est archi bien collé, vraiment très très bien collé là, franchement, rien à dire. C'est super bien emballé, sachant que là on a encore un autre plastique. Donc là, il n'y a pas de danger que ça s'en aille. Je sais même pas dans quel sens ça s'ouvre. Voilà, j'ai trouvé. Alors, donc c'est une petite toile. Évidemment, alors là, le plastique de la toile. Écoutez, je vais faire comme ça. Voilà. Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Alors, on va la découvrir ensemble. Donc c'est une petite toile de la petite sirène. Donc vous voyez, c'est la petite sirène qui est sur un rocher, donc sous le clair de lune, le soleil qui se couche en tout cas. On est sur les tons rose bleu, donc la petite sirène elle est dans les tons noirs. Parce que ça fait un effet le soleil qui est derrière elle. On a la mer un peu en bleu. Donc c'est une toile en 30 par 40 cm. Ça colle, ouais, franchement ça colle bien, mon doigt il reste... Bon, ça colle bien en tout cas. On est sur 19 couleurs, donc c'est quand même pas mal, vous voyez, pour une petite toile comme ça. Donc on a deux tableaux, un en haut et un en bas. Donc 19 couleurs, on a même les DMC, donc ça c'est top si vous voulez garder les diamants. Donc c'est plutôt bien. Vous voyez, l'impression, elle est plutôt nickel. Même là où c'est sombre, on voit plutôt bien. Avec, on a un petit toolkit comme ça, on a même des petits sachets zip, donc ça c'est top. Donc toujours au complet, si c'est la première fois que vous commandez, vous n'avez rien d'autre à acheter. Et on est sur le très beau diamant rond. Donc vous voyez, on a plein de couleurs très belles. Donc évidemment, on est sur des teintes assez roses, du pastel notamment, du bleu. Vous voyez, on a un beau bleu très clair, là, comme ça, pastel. De très très belles couleurs. On a du noir, évidemment, pour la petite sirène qui est en fond. Là, on va avoir une autre teinte foncée par derrière. On a aussi du gris un petit peu, du bleu, du beige. Je pense que ça va rendre super bien. Alors, donc cette toile-ci, elle était à 5,22€, donc ça nous fait 4,42€. Donc vous voyez, c'est les prix pour une toile de cette taille-là, comme ceci. C'est plutôt pas mal, franchement. Moi, j'aime bien cette toile. Donc oui, c'est vrai que je fais beaucoup de choses par rapport à la petite sirène. J'aime bien les dessins, les graphismes par rapport à la petite sirène. Donc voilà. En tout cas, je suis très satisfaite de ce premier article. Alors ensuite, on va passer à une seconde toile. Donc toujours dans un petit pochon plastique. Ah, celui-là il collait un petit peu moins, mais bon, ça colle quand même déjà pas mal. Alors celle-là, elle est très jolie. Et là, elle fait très très été au niveau des couleurs. Donc on est sur une toile vraiment très estivale. Donc on a des petites, voire même des grosses pâquerettes, comme ça. Donc on a plusieurs fleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Elle est très lumineuse, donc bah, notamment on a du blanc, du jaune et du vert principalement. Elle est très très lumineuse comme toile.
C'est une 30 par 40, donc bord inclus. On a toujours un petit gâteau transparent. Et écoutez, comme l'autre, ça colle nickel. Donc là, on est sur 18 couleurs, ce qui est pas mal, hein, comme on peut voir par rapport à l'autre. On a un tableau en haut, ainsi qu'un tableau en bas, donc ça pareil, nickel. Toujours les DMC. Donc c'est vraiment super. Alors avec, on a le même toolkit que tout à l'heure, on a même encore des sachets zip, donc ça c'est vraiment top. Et on a bah, pareil, le pain de colle, la petite barquette et le stylet. Et au niveau des diamants, donc nous sommes encore sur des diamants ronds. Alors donc vous voyez, on a des très belles couleurs aussi, donc là ouais c'est très très peps, très lumineux comme couleur. Donc notamment du jaune, on a sur ce côté-là on a plus du orange, un peu de gris, du bleu comme ceci, assez clair. Et là, on va vraiment aller sur des teintes de blanche. Donc là, on a trois sachets de la couleur 18, donc qui est du blanc. Donc évidemment, comme les fleurs sont blanches, il faut pas mal de blanc. Et derrière, on peut voir des teintes de vert, du jaune. Donc les diamants sont quand même bien taillés, j'ai l'impression. Après, les ronds, en général, il n'y a pas trop de soucis. Mais les couleurs ont l'air plutôt assez brillantes, plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Oui, on a des belles couleurs, quand même un beau panel de couleurs. Donc voilà. Alors cette toile... Tac, tac, tac. En fait, je vous ai dit des bêtises. Tout à l'heure, la petite sirène, elle était à 5,43 $, donc 4,60 €. Et du coup, c'était cette toile-ci, donc les fleurs, qui étaient à 5,22 $, du coup, qui nous faisait 4,42 €. Donc voilà, j'ai un peu interverti. Mais vous voyez, ça reste à peu près la même chose, le même prix. La toile de la petite sirène, elle était ouais, 12 centimes plus chère. C'est pas non plus excessif. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup cette toile là, franchement elle est très lumineuse, j'aime bien les fleurs comme ça. Et là on est en début du mois d'août, donc vous voyez c'est top. Et au niveau des couleurs, tout ça, ça va nous éviter de faire des toiles de Noël en plein mois d'août. Ensuite on va passer au petit accessoire, vous allez directement voir ce que c'est sur la boîte. Donc c'est bien protégé, hein, dans une boîte en carton comme ceci. Donc on va être sur deux porte-clés. Alors c'est des choses que j'avais déjà vues auparavant. Il y avait un grand et un petit. Ça a l'air super beau. Alors, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je fais ce genre d'accessoire. Donc vous voyez, on avait dans la boîte comme ceci, on avait tout ça. Donc on est sur deux petits porte-clés comme ceci. Donc ce sont des nounours, ils ont déjà leur attache. Donc ils ne sont pas très grands, hein, mais pour commencer je trouve que c'est bien. Les bras peuvent bouger. Donc j'ai vu ce genre d'article en grand aussi qui existait. Donc moi j'ai préféré prendre petit pour commencer. Puis déjà le prix n'était pas le même. Donc vous voyez, on en a deux. Donc ça c'est top. Ça demande quand même beaucoup de travail. Alors je vais vous expliquer. Donc en fait on a un toolkit comme ceci. Et avec en plus un toolkit classique, en fait on a une colle. Donc en fait la colle sert à appliquer sur le petit nounou comme ceci. Et ensuite, on vient coller, donc avec, à l'aide du stylet, de la barquette et du pain de colle, toujours pareil. On vient coller les petits diamants sur les petits oursons, en fait. Donc, vous n'avez pas les emplacements déjà prévus pour les diamants. C'est à vous de les coller à peu près collés, quoi, pour que ça fasse bien, quoi. Et donc, du coup, par contre, c'est là que je suis vraiment très surprise. Alors, du coup, on a deux couleurs pour chacun des oursons. J'avais pas fait ça sur le site. On a du jaune et du bleu, mais regardez, c'est des diamants AB. Donc c'est bien écrit dessus, c'est marqué AB. Ici aussi, AB. Et regardez, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc on a un beau jaune, franchement, le jaune, il est vraiment trop trop beau. Et là, on a un bleu turquoise, mais pareil, AB, il est magnifique, clairement. Je suis surprise. Très très surprise, franchement. Ouais, je vais faire ça parce que ça a l'air sympa comme tout. Donc c'est pas mal pour essayer ce genre d'article. Et vous voyez, c'est pas cher du tout parce que alors pour le kit comme ça complet, deux oursons, on était à 4,33 $. Donc c'est 3,67 €, pardon. Donc c'est pas cher du tout parce que quand même, ça demande du boulot. Puisqu'il faut faire quand même partout. Et ce sont des diamants AB, c'est ça qui est super, quoi. Donc ça va rendre super bien. Écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. C'était pour tester et je pensais pas être aussi contente de cet article-là. Franchement, rien à dire. Hop, en plus dans une super petite boîte, super bien rangée, donc je ne l'ai pas bien rangée, vous voyez ça dépasse un peu, mais franchement c'est top. Donc franchement, très contente, pour l'instant c'est mon article préféré de l'unboxing. Je pensais pas, je pensais que ça allait être la toile des fleurs. Écoutez, voilà, ça permet aussi de découvrir des articles comme ça
on ne pensait pas aussi bien parce que vous voyez, du coup, donc là c'est une photo évidemment, mais on voit pas que ça brille autant, enfin on s'attend pas à ce que ce soit des diamants AB. Donc voilà. Ensuite, on passe à la dernière toile de ces unboxings. Oui, je crois que je me souviens ce que c'est. Je sens que ça doit être un petit chat. Je vois les couleurs bleues comme ça, j'avais un doute. Il me semble que ça doit être un petit chat. Alors, on va voir ça. Et oui, je vois son petit sourire, ça a l'air d'être ça. Alors, donc on est sur un petit chat. Donc là, il rend pas top top parce que du coup, c'est pas les couleurs conformes au diamant. Parce que vous voyez là, par rapport au symbole, là, c'est des petits as de pique, des cœurs, tout ça. Et du coup, ça fait vachement lumineux. En tout cas, c'est une très jolie toile. Donc c'est un petit chat tout bleu dans les tons bleu marron. Donc c'est une toile complète, pareil. Hein. Et franchement, elle est trop mignonne. Donc toujours en 30x40, en diamant rond. Ça colle super bien, ça colle même mieux que les deux autres toiles, mais c'est à peu près équivalent. Franchement, rien à dire. On est sur 22 couleurs, donc c'est quand même un peu plus que les autres. C'est quand même pas mal. Et on a deux tableaux, un en haut et un en bas. Avec, on a 22 couleurs, donc c'est top, franchement, je vous l'ai déjà dit, je crois. On a les DMC, donc pareil, franchement top. Si vous voulez garder les diamants après, c'est parfait. Et donc, du coup, on a le toolkit de base, mais cette fois-ci, il n'a pas de sachet zip. Donc, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est toujours utile, le petit sachet zip. Au niveau des diamants, on a des très belles couleurs. Donc, on est vraiment sur des teintes vraiment bleu et marron. Et on a un très beau bleu, là, par exemple. Là, on a du marron un peu plus clair, plus foncé. On a des belles teintes de bleu. Là, vous voyez, on a une teinte un peu plus grise. Ouais, tirée du gris, du mélange entre gris et bleu. On a des belles couleurs, donc vraiment plus tirée sur du bleu et du marron. Donc voilà, très belle couleur, franchement. Donc cette toile-ci, elle était à 4,96$, donc ça nous fait 4,20€, pardon. Donc vous voyez, ça reste des prix vraiment très raisonnables. Là, pour une vingtaine d'euros... Non, même pas, je vous dis des bêtises, pour ouais, on va dire 16 euros environ, on a quand même 4 articles. Donc, on peut se faire plaisir. Donc, voilà. Hop là. Voilà pour tout cet unboxing. Alors, du coup, moi, en tout cas, je suis très contente. J'ai pu juste remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup d'accessoires sur leur site au niveau des porte-clés, des sacs, tout ça. Mais par contre, il y a beaucoup de toiles. Il y a des ronds et des carrés, me semble, de ce que j'ai vu. Donc, moi, j'ai sélectionné que des toiles rondes. Ce qui est bien sur ce site, c'est aussi qu'on a les layouts qui devient de plus en plus fréquent. Donc les layouts, ça permet de voir le rendu de la toile avec ce que ça va rendre entre l'image et l'imprimé avec les emplacements des diamants. Donc ça, c'est top, franchement, rien à dire. Et donc voilà, en tout cas, je suis très contente pour ce premier unboxing de cette marque. Donc je remercie la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de vous faire découvrir ces articles. Hop là, excusez-moi. Réel coup de cœur pour ceci. Franchement, je le ferai, je vous montrerai le résultat. Ça a l'air vraiment top. Le fait que ce soit des diamants AB, c'est génial, franchement. Ça, c'est top. J'essaierai de faire autre chose comme ceci, plus gros, ou dans le même genre, parce que franchement, c'est top. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait... ça vous aura permis de connaître une nouvelle marque vraiment pas chère, hein, abordable. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !